Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Wars Outlaws. Je vous ai laissé au dernier, on avait fait une première tentative pour infiltrer cette base impériale, là où on est en train de faire les missions pour la pirate, pour essayer d'avoir de meilleurs outils de piratage, pour pouvoir rentrer dans d'autres endroits. Et donc on va y retourner et retenter le coup. Alors on pense pouvoir pénétrer au sein du truc, en passant pas dit que vous bossiez dans un complexe impérial. Par ici. Il faudrait qu'on grimpe par là-haut. Ouais, regardez, là on peut grimper. Un moyen d'entrer. L'important c'est de pas mourir. J'ai vraiment besoin de ce séquenceur. Ouais, je vais essayer. Non. Ok, on peut grimper là. Alors oui, c'est joli. j'aime bien le design qu'ils ont fait pour cette planète. J'avais toujours trouvé que le problème un peu des fois dans la guerre des étoiles, c'est que c'est tout le temps soit des planètes désertiques, soit des planètes de glace, ou qui ressemblent à des planètes de glace, tu sais. Manque d'originalité. Mais je trouve qu'entre Jedi Fallen Order et là, ils ont fait du bon, ils ont fait plutôt du bon travail, quoi. Bon alors... on allait avoir normalement par là, voilà ce truc là-haut qui va nous permettre de passer en face. Oh, putain. Bon. Et donc là on a deux Stormies. Ce qui est con, c'est qu'il n'y a pas de mécanique pour masquer les gens qui sont assommés. C'est genre les foutre dans des poubelles ou des trucs dans le genre. Je dois passer ma journée à m'occuper de criminels. On s'ennuie toujours sur cette ronde. Il y a quelqu'un ? Ça va pas être facile de passer. À toi de jouer, Nyx. Non. C'est quoi ça ? Alors utiliser le stun. Non. Le périmètre est bien sécurisé. Merde. On est bon. Qu'est-ce que c'était ? À toi de jouer, Nyxie. Ok, donc il vaut mieux éviter de stun les gens devant une caméra. Pas très bien. Allez. Pas cette base, mis à part ça. Qu'est-ce que... Vous avez rien vu, je ne suis pas là. C'est le moment de les distraire, Nyx. Que quelqu'un élimine cette créature! Ça n'a rien à voir avec... Tu commences à m'agacer! Moi, j'ai juste besoin d'une cible. Répugnant. Allons-y. Et merde. Repos. Nyx, fais-le exploser. Reçu. Le laissez pas t'enfuir.
Ok, sois discret, Nixie. Non, on va monter par là. On va penser que oui. Mais a priori, non. Étrange. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a l'autre patrouille qui va bientôt revenir. Ah putain, ils sont là. C'est quoi ça? Derrière vous! Attends. Je vous préviens. Ils viennent vers nous! Allez! Fais volonté! Nix! Le tenant! Sécurisez le périmètre! Je vais sauter l'alarme! Au travail, Nix! Où sont les. Je suis plus là, vous m'avez perdu. Ah, pas mal, hein, Nix. Ouais, pas mal, ouais. C'est exactement le terme que je cherchais. Alors attends, on peut passer par en face. Oh merde. Ah putain. Ça s'arrête jamais. Ok, maintenant que j'ai compris comment ça marche le truc de l'alarme, il faut éliminer le mec qui menace de déclencher l'alarme le plus vite possible. Déverrouiller la porte sécurisée. Ok, mais là je crois que ça nous fait descendre. J'aimerais juste explorer encore un petit peu. Plus, bon, blaster j'en ai pas besoin. Les grenades j'en ai pas besoin. Par contre les fioles de Bacta, s'il vous plaît. Ok, c'est le hangar à speeder ça. C'est la qualité l'autre. Ok, il y a des... Attends, mais non, mais c'est... je suis con, c'est là où on est. Ah, ça c'est le mec que j'ai éliminé. Alors attends, du coup, elle est où la meuf? Là. Ok, donc là on a le truc pour se balancer. Non. Ça ira très bien, merci. Celle-là de porte, elle ouvre vers quoi? À l'extérieur. Ok, on va voir où ça s'amène. Oh merde. Là, là, ça va être plus dur. Ok, moi j'en ai un qui est bon. Chance, j'en ai deux qui sont bons. Ok. Ça y est. Code de chambre forte.
la passerelle de la zone d'atterrissage. Terminal situé sur la passerelle peut-être piraté. Le bâtiment se trouve à la chambre forte située à l'angle sud du complexe impérial. Là où je suis, l'angle sud. Assommer chaque ennemi, qu'au fil du temps les ennemis apparaissent avec une protection au cou pour contrer les attaques surprises. Ah ouais, là, s'il faut, ça y est, hein. Juste par ici. Ouais. C'est un truc de fou d'infiltrer une base impériale comme ça, quand même. Hein. Salut, GD. La porte. Il y avait autre chose par ici. J'ai l'impression. Et donc il va falloir qu'on passe par un autre endroit maintenant. Il y avait un truc avec la plateforme d'atterrissage. Et après, on peut remonter si on veut. Je peux remonter. Non, je joue sur PC. Donc, ici, on les a bien éclatés tous. Juste pour voir, on peut aller dans la navette. Est-ce qu'il faut une connexion? Alors, ça, je peux pas te dire. Enfin, oui, j'avais une connexion internet quand j'ai installé le jeu. Bah, c'est les trucs Ubisoft Connect et compagnie, donc à mon avis, oui, il doit falloir être connecté pour pouvoir jouer, hein. Dans leur merde. Attends, y'a rien par ici? J'ai asmaté tout le monde sur cette plateforme, au final, y'a personne qui peut nous emmerder, tu sais. Ah, oui, on va. Hein? Le bâtiment se trouve à la chambre forte située à l'angle sud du complexe impérial. Sous la passerelle de la zone d'atterrissage. Sauf que j'aurais pensé qu'il y avait peut-être un truc pour descendre de cette passerelle, mais j'en suis pas. Si, ouais, ok, je comprends. Ah! C'est là-bas qu'ils ont été enfermés. Par contre, j'ai du monde. Tu sens quelque chose, Nixie? J'ai du monde, oui. Il y a un gars là-bas aussi. Le gars qui est là-haut, celui qui est là-haut. Peut-être en bas à gauche qu'il faut qu'on aille. Ok, soit on descend en rappel là, mais le problème c'est qu'on va être un peu en plein milieu et j'ai peur qu'on se fasse aggro par un des types. Soit on... Attends, il n'y a pas un truc là. Déjà, il y a un truc là. Trésor obtenu. Nickel. Faire avec ça. Non, on peut descendre là, ça me paraîtrait limite un peu mieux. Bouge, Nix, il vient droit sur nous. Merde. Ça s'est très mal passé. On va rester planqué dans un coin. Je vois personne. Je crois qu'ils nous ont pas suivis, ils sont tous dehors encore. Ok, je crois que c'est bon, Nix. Ça ira. C'est bon. À toutes les unités, une criminelle dangereuse se trouve dans
Parce que là, en plus, on s'est pris à un niveau d'alerte vachement élevé. Trace de la cible perdue. Abandon des recherches. Ok. Ah, une grenade, c'est ce à quoi je pensais aussi. Et donc ça, c'était la grande porte. C'est pas par là que je voulais passer. Bon. Hein? Nom de Dieu, de bordel de merde. Nix, distraction. Quelqu'un sait ce que c'était? Tirez dessus. J'ai pas intérêt à tirer sur Nix. Fous-moi la paix. Non. Putain, mais quel débile! Oh non! Je me retrouve dehors? T'es sérieux là? Ça ira plus vite comme ça. Putain, j'hallucine! Ah, et ça, ça pardonne pas, hein, enculé! Ça pour une erreur de touche, j'ai pas appuyé sur la bonne pour sauter de mon fil. Vous m'aviez pas dit que vous bossiez dans un complexe impérial? Coincé wow. Un impérial plutôt. Ils m'ont acculé dans un garage. J'imagine qu'il faut que je trouve un moyen d'entrer. L'important, c'est de pas mourir. J'ai vraiment besoin de ce séquenceur. Ouais, je vais essayer. Ah, d'habitude, il y a des sauvegardes rapides et tout, tu sais. Putain, je suis sur le cul, là, quand même. Hein. Alors, du coup, je dois relooter tout ce que j'ai looté au passage. Non, il y avait un truc là que j'avais pris, il y est plus. Et cette fois-ci, on va essayer de pas se faire avoir. Très bien. Bon, il est où ce garage? Distraction, Nix. Nettoyez bien vos blasters avant que les officiers arrivent. Dégagez ça d'ici! Mais non, quoi! Dégage! En plus, ce truc, ça met 3 heures à se recharger. Marxia. Hein? Nix, à toi de jouer. Merde. Désolé! Quoi? Tiens, Nix, il nous casse. Ouais, non, y a pas d'alarme. C'est pas vrai. Il est tombé tout seul. Putain de merde. Nix, fais péter ce tonneau. Gardez le canal ouvert. Terminé. Merde, il l'a pas fait. Ah. Ah mais. Fais péter ce tonneau. Sois prudent. Terminé. Il venait juste de passer à côté. Explose ce tonneau. Oh yes.
Allez, on débranche l'alarme. Attends voir. C'est bon pour nous. Et quoi ces trucs jaunes là ? On se regroupe. Très bien, c'est fini. Nix, allez. Nix, distraction. Reviens un petit tout. Ok, donc évitons de crever cette fois-ci. Et ça, c'est le truc qui mène dehors. Fais péter ce tonneau. Sois prudent. On va les aveugler. J'ai compris. Je sais plus tard. C'est bizarre. C'était rien. Non. Bizarre. J'ai rien vu. Rangez vos armes. Ah, je suis full du coup. Ça, j'ai l'impression qu'il a quand même gardé le fait que j'avais looté certains trucs. Tu vois quelque chose ? Et pas d'autres. Je dois rester à l'affût de tout comportement suspect. Retour à vos postes ! Nice. Ça, c'était bon, ça. Tablette est probablement fermée dans une chambre forte. Ok, donc ici ils ont pas repopé. Ça a déjà été looté, parfait. Bonne nuit, Zephyr. Ce que je voulais à la base tout à l'heure, c'est essayer de revenir par ici. Allons-y, qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que tu vois ?
L'autre qui est accroupi qu'on pourrait éliminer assez facilement, je pense, mais avec l'autre là, je regarde pas plus loin. Oh, c'est trop. Bon, moi, ce que c'est en fait. Ah, il y a l'autre qui fait le tour en fait. Ah, on peut remonter, oui, bah oui. Vas-y, Nyx. Non. Merde, non. Pas comme ça. Dégage d'ici. Vermine. Distraction, Nyx. Ah, c'est bien, là. C'est une mauvaise blague ? Pars-toi ! Circulateur de blaster, revêtement de factionnaire. Ok. Rapport du BSI Elira Soy, âgé 38 ans, agent de syndicat. Les enquêtes du BSI indiquent qu'Elira fait partie du cœur de l'Aube Écarlate et son histoire remonte au début de Kira avec le syndicat. Elira opère principalement solo en tant qu'agent de terrain et contact. Sa première responsabilité est de compromettre le syndicat Pike en se concentrant sur leur siège de Toshara. En raison de son implication directe avec Kira, Elira peut être considérée comme une menace de classe 2 par l'Empire Galactique. Et c'est intéressant d'en apprendre sur les agents comme ça. Ok, donc là j'ai pas le kit de piratage pour ça. Malheureusement. Dossier d'enquête sur Verrick. Ok. Je déteste cet endroit. Donc nos fournitures de plateforme d'atterrissage sont censées être par là-bas. Et ça, c'était les données du coffre-fort, je crois. Alors, d'après ce truc, il y avait encore quand même les secrets de Cowell qui seraient 41 mètres par là-bas. Je pense pas qu'ils m'ont vu monter. On est d'accord qu'on avait tout récupéré ici. Elle doit être éliminée. Continuez les recherches. Ce truc de secret de Covel, j'ai l'impression qu'on l'a pas fait, en fait. On a le code. Ça qui est bizarre. Une chambre forte là où on est. Oh, on est dans la bonne zone. La fugitive a été repérée. On
laboratoire. Agissez vite et détenez-la. Ils ont pas l'air de savoir prendre des ascenseurs, en fait. C'est un peu dommage. Je pense que si je redescends, je vais retomber nez à nez avec 15 Stormtroopers qui vont attendre juste devant l'entrée, tu sais. Vérifie juste que j'ai rien raté dans cette pièce parce que... Tu vois, regarde, il y a une conne, non ? De quoi ça, Taoulf ? J'ai raté quelque chose dans cette pièce ? Il n'y a pas d'autre terminal avec lequel on peut interagir. Il n'y en a plus que 3 qui sont en alerte là. Ça va se calmer bientôt. Droïde coincé. Voilà. Non, c'était un droïde qui était coincé dans le coin du mur. Ils ont l'air d'être occupés ailleurs. Et merde. Il n'y a plus qu'un seul gars qui est en point de... Ouais, deux. Hein. Ah, tu vois, ils mettent 19 mètres vers le haut. Mais à mon avis... On a récupéré les infos dont on a besoin. Le coffre est ailleurs dans la base, en fait. Ça, c'est la meuf qu'il y avait là tout à l'heure.
C'est le moment de les distraire, Nix. Il n'y avait pas une caméra à la base ici. Les caméras ont dû être désactivées. C'est ça quand ça disait que ça a désactivé les caméras. Attends. Ah, il y avait un terminal ici aussi. Désactiver la tourelle et la porte sécurisée. Alors, je vais vérifier parce qu'il y avait un coffre la dernière fois par ici. Là, j'ai fait un carnage. Hein. Je crois qu'il y a un gars encore debout. Rien à signaler. Terminé. Kit de piratage pour ça. Encore genre. Tu sens quelque chose, Nixie ? Technicien ou un truc dans le style ? Ah, là, il y a le coffre. J'ai bien fait de vérifier. 5 cellules ioniques. Okay. Donc les fournitures de plateforme d'atterrissage doivent être... Wow. Mieux serait de redescendre dans le système. Avec ce truc qui est jaune, là, j'ai l'impression que je peux passer. Tout le monde fait dodo, rien à signaler, c'est ça. Alors juste pour tester. Ouais. Bah, je sais pas trop ce que ça fait ce machin. Hein. Bon, ok. Ça m'a pas ouvert une porte, non. Je vais bien redescendre. La question c'est, est-ce qu'il va y avoir du monde derrière cette porte ? Rien. Oh là là, il y a une porte qui s'ouvre toute seule, c'est bizarre. Il va me gonfler lui. Hein. Ou alors, je vais te sortir par celle-là. Mais là, je me dis que j'ai quand même un bon angle. Il faut juste que j'arrive à stun le mec qui a le gros flingue. Tout est calme ici. Là, il me fait peur à chaque fois. Qu'est-ce que tu vois ? Le problème, c'est qu'ils sont tous les deux comme ça. Là. J'ai une idée. Ouais. Alors, j'ai des idées. J'ai une idée. On va tenter quelque chose. On va voir. Si je me planque ici, que je dis à la bestiole d'ouvrir ça. Ah. Nix, ouvre cette porte. Merde. Ah, putain. Zone interdite au speeder, il est con ce truc. Ouvre cette porte. Nix, à toi de jouer. Ah. Oh putain, si ça a marché. On devra, c'est une zone interdite. Nix, distraction. Dégagez ça d'ici. Y a du monde, Nix.
Détourne l'attention. Il va rentrer. C'est ton heure, Nix. Va voir ailleurs. Ils nous poursuivent. Putain, ils vont rallumer l'alarme, ils font chier quoi. Ah là là. On est coincé. Celui-là, je m'y attendais pas. Vous avez d'autres copains comme ça qui veulent venir ? Attention, augmentation de la menace. La fugitive est très dangereuse. Maintenez la pression et attendez les renforts. Ça commence à qu'il avait suivi. Non mais il me voit lui. Bien joué. On les a semés. Cherchez-la. C'est bizarre parce que il me dit zone interdite au speeder, mais normalement c'est la touche pour le siffler. Trace de la cible perdue. Abandon des recherches. Ok, bon. Il semblerait qu'on ait réussi à gérer ces deux putains de stormtroopers derrière cette porte. Ah, c'est des tourelles, ces trucs. Fais-le exploser. Ça devrait attirer leur attention. J'appelle des renforts. On va pas appeler des renforts. Porte ça ou pas? Ça serait... C'est chiant qu'ils mettent des portes qui s'ouvrent pas quoi. Pourquoi maintenant? C'est bon pour nous. C'était une longue journée. Ça va être un destroyer stellaire. On se regroupe. J'ai hâte de quitter ce trou. Il faut que je cherche du renfort. Nix, distraction. Y'a rien ici. C'est quoi ça? À toi de jouer, Nixie. Je crève d'envie de voir ce que valent ces nouveaux speeder-lotes. Qu'est-ce que...
C'est pas pour toi ici. Dégage. Ok. Ça nous amène dehors. Ok, c'est un deuxième point d'entrée dans la base, ça. D'accord. Et je pense qu'il est de l'autre côté, par contre. Ah, c'est ça. Ok. Ouais, bon, ça va. Je pense à l'étage. Il faut une équipe de relève ici. Quoique, attends. Il faudrait qu'on aille de l'autre côté, peut-être. Donc le truc de plateforme d'atterrissage, c'est là-bas, en fait. La plateforme d'atterrissage doit être ça, et ils disent dessous. On est bon. Rien à signaler. Comme il y a 10 minutes. En fait... Bon. Là, je voudrais... Voilà. Reçu. Masque de Scout Trooper. Tu vois quelque chose ? Ok, on va voir où ça mène, ça. Ah, on est au garage. C'est incroyable. Comment est-elle entrée dans nos systèmes? Personne ne devrait être en mesure de faire ça. Tout est ok. Qu'est-ce que c'était? On doit aller vérifier, vous n'êtes pas autorisé à être ici. Ils ont changé leur protocole pour mon dernier boulot. Ayla? Je l'ai. La voix de la délivrance. Bien. Je vais peut-être pouvoir m'en tirer. Faut juste que t'accroches ça à l'antenne sur le toit. Est-ce que ça va marcher? Peut-être. C'est le plan C. Oh, on en est déjà au plan C? Hey, c'est pas un bon jour, ok? Oh, et pendant que tu y es, protège bien ce vaisseau. J'en ai ras-le-bol de cet endroit. Ok. Ok, alors attends. Ah, je peux pas revenir en arrière. Super. Il y a des méchants, Nyx. Oh merde, oui. C'est compris. le pauvre. Rien compris ce qui est arrivé. Le séquenceur est actif. Et maintenant ? Maintenant, j'active les tourelles. Ah !
Pas mal. Elles te prendront pas pour cible. D'autres salles sont libres jusqu'à la salle de contrôle. Là, désactive les lasers anti-aériens. Mais, attendez, comment vous avez fait ça? Avec beaucoup d'expérience. La salle de contrôle. Attends une seconde. Ça a l'air d'être là-bas, hein. Ça y est, je suis à la tour. Ok, je me dirige vers la navette. Je partirai à la seconde où t'auras désactivé les lasers anti-aériens. Donc c'est bien ça la tour. Donc il y a un autre truc à activer ici. De cette lune. Appelle-moi quand tu seras parti d'ici, Vess. Ah, c'était la navette Tidarium. D'accord. Il doit y avoir un autre truc, mais je sais pas où c'est. Ah, tu vois, c'est le robot qui est... C'est dans le coin en fait. Non, il y a rien en haut. De toute façon, il parlait plutôt que les trucs étaient dans un coffre-fort et on n'a pas trouvé de coffre-fort. C'était, je crois, un truc à pirater là-haut. Voilà. Ok, ça c'est un sniper. Seconde. C'est parti! Prête à faire feu! Je peux pas zoomer plus que ça? Au final, on va avoir éliminé tout le monde en fait dans cette base. Sauf peut-être les gens à l'entrée. Non, ils sont encore là. J'étais sur le Tarkin's Wheel avant. J'ai commencé ici un jour avant qu'il s'écrase.
Module de déclenchement plus 2. Ah. Chaîne d'information résolue. Entre la tôle et l'armée, eh ben, j'aurais dû prendre la tôle. Ah. Attends, c'est quoi cette chaîne d'information résolue? Non. La chaîne d'information. Ok, base avancée impériale. Le bâtiment où se trouve la chambre forte se situe à l'angle sud du complexe impérial. Qu'on peut y rentrer par ailleurs. Ok, genre, ça, ces portes-là, c'est pas des portes? Non. Okay. Et après, il y a ce truc vert, là, mais ça, c'est rien non plus. Ah, il y avait... Ça, après, le dernier truc qu'on a vu, c'était ça, mais est-ce que... Ça, c'est par là. Rien ici. Il n'y a vraiment plus personne en fait. À part ce truc, tu vois. Il me manque le kit de piratage pour ce truc-là. Je sais pas ce que c'est. Pour le reste des choses, on avait quand même tout récupéré ici. Et on a tout. On a fait 50 fois le tour de l'autre bâtiment en face. Donc je vois pas ce que ça peut être d'autre. Hein. Putain, le massacre qu'il y a eu ici. Je vois pas. On est dans la zone de recherche. La porte sécurisée est déjà déverrouillée, c'était celle-là. Il n'y a pas un autre ordinateur ici, non. À présent dans le jeu, il n'y avait pas des choses qui étaient ultra méga bien planquées. Hein. Ça, j'avais pas saboté, ok. Ici, en hauteur, il n'y avait rien. Ce serait du suicide d'essayer de descendre. C'est vrai, ce truc, ça devrait être ici.
pas le truc au centre. C'est pas ça. Là. À moins que ça ait bugué parce que je suis mort à un moment donné. On sait jamais, je teste. Hein. Soit c'est la quête qui est buggée, soit je sais pas. Qu'est-ce qu'ils nous disent déjà? La tablette est probablement enfermée dans une chambre forte. Hein, contient les informations sur les opérations de l'Aube écarlate. Donc je vois pas ce que ça peut être. On peut pas trop zoomer non plus sur cette carte, c'est ça qui est dommage. Là, j'ai l'impression qu'on n'y est pas à l'endroit, tu vois. Mais c'était plus dans le coin. Et d'un autre côté, en jeu, l'indicateur, il est clairement ici, quoi. Il n'y a rien d'autre dans cette pièce. Vraiment pas rentrer dans cette pièce juste pour voir. Ça c'est fermé aussi. Ouais, je crois que le truc où il y avait la meuf, il n'y a pas moyen d'y revenir à l'intérieur. Le mec que j'ai snipé. Clairement fait le tour du jeu et... Non. Attends. Rien ici. Bon allez, on va sortir, c'est pas la peine de se casser la tête. Au pire, on y reviendra une autre fois. Pouvoir reposer tes petites papettes. Oh Ayla, je m'en suis tirée. Et sans menottes au poignet, bien joué. Tu cherches de meilleurs techno-pirates, c'est ça? Ouais, mon kit a connu des jours meilleurs. Je lui dirai de te rejoindre chez Macal. Ok, bon, au moins je voudrais... Ok, obtenir la clé du partage auprès du contact d'Alia. Ah ben on peut même...
Comme ça, on aura les trucs de piratage plus avancés, ce qui nous permettra de faire beaucoup d'autres choses. Ok, alors. Alors, Ayla a dit que t'avais un kit de piratage pour moi. Ouais, prends-le. Comme ça, je pourrais rentrer chez moi. Et voilà. Nouvelles informations découvertes, puce de piratage. Un élément important pour fabriquer la version du kit de piratage d'Ayla Bren. Okay. Donc du coup, elle nous donne, voilà, kit de piratage. Un gadget capable de se connecter à des appareils avancés sans terminal, interagissant avec un appareil en appuyant sur truc pour pirater. Très bien. Tire sournois. Si Kate tire sur un ennemi ignorant sa position, celui-ci subit des dégâts supplémentaires. Ok, c'est une espèce de... Ou critique, quoi. Éliminer des ennemis distraits avec le blaster. Terminer un contrat d'infiltration. Fumigène assommant. Meilleur fumigène avec un effet assommant qui étourdit les ennemis dans la zone pendant 2 secondes. Ok. Ah, et là, ça, c'est le fumigène. Il me manque juste le compresseur de fumigène. Des contrôleurs en laga des compresseurs de fumigène dans les champs verdoyants de Toshara. Ok. Piège fourbe permet à Nyx de piger des panneaux d'alarme. Ah. Ah, et du coup, quand le mec essaye de venir déclencher l'alarme, il se fait électrocuter. Intéressant. D'un pas léger, réduit le bruit que Kay fait en marchant et en sprintant, ce qui diminue de moitié la distance de détection des ennemis. Ouh, ça c'est cool ça. Pourquoi terminer un contrat de contrebande, réaliser une neutralisation sur un officier impérial et crocheter différentes serrures. Et enfin, amélioration du kit de piratage, augmente la quantité d'énergie pour le kit de piratage de 2, utiliser l'énergie pour activer le joker pendant un processus de piratage. Plus de piratage, salle commune et circuit d'énergie direct. Ok, mais quand tu dis, il y a encore quand même pas mal d'experts à débloquer. Ça va en faire des choses, tout ça. Nourriture pour Nyx, du coup, on peut lui mettre ça. Par contre, j'ai de quoi améliorer mon blaster, apparemment. Yep. On monte sa précision. Très basique ce blaster, quand même, en termes d'apparence. Et donc, j'ai enfin le kit de piratage, effectivement. Voilà. Parfait. Ok. Bon, allez, on va s'arrêter là, du coup. On va essayer de sauvegarder pendant un combat. Je suis en combat, là. Ah. Je pense que c'était à cause de ça, surtout. Ok. Ayla, j'ai récupéré votre kit de piratage. Merci. Je vais t'envoyer les coordonnées d'une cache où tu pourras le tester. Et Vess, j'aurais jamais réussi sans ton aide. Tu fais honneur à ton nom. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu sais quoi? Je vais rester planqué sur la station. Elle connaissait la merde de Kay. Passe me voir à l'occasion. Clairement, elle connaissait sa mère, je pense. Je vais pas sauvegarder. Comment ça, impossible de sauvegarder pendant un combat? Qu'est-ce qu'il me fait, lui, là? On n'avait pas notre vaisseau qui était là? Si. Rapide. Si vous
constatez une activité suspecte, alertez immédiatement la sécurité. Que passe dans le système? Voilà quelques temps d'arrivée. On a un bateau rouge à bord. Ok, meilleure précision. Ah, je peux carrément aller au super refroidissement. Donc à faire. Ah, parce que si je peux pas sauvegarder, ça va être compliqué, hein. Salut Valek. Ah, c'est des ok, des données à refiler aux marchands des syndicats pour récupérer un peu de la relation. Ok, je vais tenter un truc. On va décoller pour voir avec le vaisseau. Bon, on y va. Je peux sauvegarder la partie. Je voulais juste voir un truc, c'est que la dernière fois qu'on était passé par là, j'avais vu qu'il y avait des trésors à récupérer dans les amas d'épaves qui sont là.
Ok. Et donc il y a un champ de force qui protège ce truc. Que ça allait faire aussi mal. Désolé, hein. L'otage, c'est un peu, j'ai un peu du mal à m'y faire, mais on s'en sort au final. C'est une lune en fait d'un genre de gazeuse, on dirait. Bizarre. Ok, donc on peut sauvegarder la partie. Parfait. Oui. Et voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc merci à tous ceux qui ont suivi cet épisode. Je vous dis une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine pour la suite de l'aventure. Salut à tous.